Bonjour à tous. J'espère que vous passez un bon dimanche et que vous n'avez pas trop chaud. Et une pensée déjà à toutes les personnes qui habitent où il y a les feux. C'est vraiment catastrophique hein, cette année. Hein. Et dire qu'il y en a, que bah, c'est des gens qui font exprès. Ils n'ont vraiment rien d'autre à faire. Hein. Eux, ils n'ont pas de vie hein, par contre. Hein. Voilà, je suis désolée. Eh bien, voilà, je continue. Je continue, je continue. Hier, j'ai pris mon temps pour faire l'électricité. Donc, je vais bouger un peu comme ça. Donc, j'espère que je ne vais pas mettre le seau à colle par terre. Donc, j'ai tout changé mes prises électriques, remis quelque chose de neuf. Alors, le nouveau système... J'aime pas bien. Vos câbles électriques se mettent dans des petits trous, vous forcez un peu et c'est automatique. Quand vous avez affaire à une vieille installation, c'est pas fameux. Alors là, touc, j'ai mis un cache, j'ai l'électricité derrière. Hop, au plafond, les deux rampes sont mises, touc, voilà, il y a le chien qui se balade, qui fait du bruit, donc prise électrique là-bas aussi, touc, ben, c'est le bazar, hein, mais bon, on arrive vers la fin. Mon thermostat a été mis, donc le fil que j'avais encastré, voilà, j'ai déjà fait un peu de ciment. Il faut que j'en rachète pour faire plat. Mais bon, ça c'est vraiment... Et puis aujourd'hui, eh bien j'ai fait à manger. Voilà, la colle à tapisserie. Et puis on s'y met. Alors ce que j'ai fait aussi, j'en ai profité, c'est mon meuble. Maintenant qu'il n'y a plus de poussière, je lui ai redonné un petit coup de peinture. Donc, pour pas que vos pinceaux sèchent, les mettre à l'abri de l'air dans du film de cuisson, hein, étirable. Voilà. Et comme ça, vous pouvez le réutiliser ce soir pour la deuxième couche. Et puis, j'utilise cette peinture-là. La caséine... c'est pour le bois, c'est très bien. Voilà, la marque, c'est ce que je sers pour mon travail. Luberon, c'est vraiment super. Voilà. Alors, j'ai pris un noir pille. Bon, il fait noir, mais c'est vrai que... Un peu bleuté, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas un noir profond, c'est un noir bleuté. Je ne sais plus où c'est marqué. Touc. Il est lessivable. Hop. Voilà, ça c'est fait. On a redonné un petit coup de neuf au meuble. Et aujourd'hui, donc, c'est tapisserie. Alors, deux tapisseries. Une pour le fond. Alors, je ne sais pas si... Oui, on ne voit pas. Hein. Après, je vous avais dit du pailleté, mais c'est pas... Si on voit un tout petit peu que ça brille, c'est pas un pailleté, pailleté, pailleté. C'est pas. C'est pas. Et puis le deuxième, voilà, ton sur ton, d'une autre texture qui ressemble un petit peu à tout ce que j'ai à la maison. Voilà. Les instruments de torture, le cutter, parce qu'il faut absolument, j'espère que, voilà, je vais y arriver à couper droit pour mon plafond. Parce que je ne veux pas mettre de baguette, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, et puis je me suis préparée là-bas pour couper mes laits, toc, au cutter. Voilà ma journée à passer au frais, à tapisser. Alors, ce que je ferai, soit je fais un montage, parce que bon, voilà, je vais me mettre à tapisser, mais ça ne va pas se faire en 5 minutes. Soit je fais un montage ou je mets déjà celle-là de vidéo. On verra bien. Et puis, ce que j'ai acheté aussi,
C'est les plinthes. Voilà, en plastique. Plinthes en plastique. Et puis là, vous avez. Là, vous. Touc. Ça saute peut-être depuis l'autre côté. Mais là, vous ôtez, vous mettez vos vis. Comme ça, il n'y a pas de vis apparente. Comme dans le temps, hein, il fallait percer les. Et puis, vous pouvez cacher des cadres aussi. Donc j'ai pris un gris comme ça, j'ai pas retrouvé. Ça fait 11 ans hein, que ça a été, non plus que ça, que ça a été fait avec tout du parquet partout, pareil. Hein. Donc j'ai pas retrouvé les mêmes plinthes, mais bon c'est pas grave. Hein. Ça, les tons là, ça ressemble un peu au plancher. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, du boulot encore en perspective, mais j'arrive sur la fin. Et heureusement, parce que on commence à fatiguer, mais fatiguer. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche. Hein. Réhydratez, hein, surtout, buvez de l'eau. Moi, je sais que je suis à 3 litres pour quelqu'un qui ne boit pas des masses. J'ai 2 bouteilles qui partent par jour d'un litre et demi. Donc, c'est que le corps en a besoin. Voilà, autrement, là, il fait frais, on va pouvoir un peu se bouger sans trop avoir de mal. Donc, je vous dis une vidéo qui va être mise en ligne, tout compte fait. Et puis, je vous dis pour le final, une fois tapissé, et puis peut-être avec quelques meubles, parce que je ne sais pas si vous entendez, mais ça résonne, hein, il n'y a rien du tout hein, comme meuble. Donc, ah si, oh, j'en avais marre. J'ai ramené le rocking chair pour regarder un petit peu la télé, pas assis sur une chaise. Hein. Ça fait mal au derrière à force. Hein. Donc voilà. Ah oui, ma hotte aussi a été repeinte. Repeinte. Voilà. Là-bas, il y aura de la tapisserie au milieu. Et puis, comme je vous ai dit, hein, des petites étagères avec mes décos. Voilà les amis, bon dimanche, profitez bien, bisous bisous.